Nous sommes une association de ressortissants sénégalais qui vivent en Allemagne dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc ce land, c'est le land le plus peuplé d'Allemagne, qui fait environ 18 millions d'habitants. Et nous avons créé notre association en 1999, et depuis lors, on organise pas mal de manifestations politiques, économiques, de caractère social aussi, pour les ressortissants sénégalais et africains qui vivent dans la région. Voilà, vous avez assisté hier à une manifestation politique qu'on organise seulement depuis l'année dernière, qu'on appelle Politikum. En allemand, ça veut dire « on parle de politique ». Et puisqu'il y a eu des référendums dans différents pays africains, Rwanda, changement de constitution au Congo-Brazzaville et référendum au Sénégal le 20 mars dernier, on a souhaité inviter des spécialistes de la presse et des juristes pour qu'on parle des relations entre l'Allemagne, l'Europe et l'Afrique. Et c'est dans ce cadre donc qu'on vous a invité, vous, lui, Magloire Komayou, un juriste sénégalais qui vit à Paris, Abdoulaye Tine, maître Abdoulaye Tine, un journaliste sénégalais qui vient de Dakar, Mamadou Sy Tunkara, et un journaliste allemand, Ralf Zina, qui est correspondant d'une chaîne de télévision à Bruxelles et qui était correspondant aussi de la première chaîne de télévision allemande à Nairobi, au Kenya. Et donc, il a vécu pas mal de choses en Afrique de l'Est. Et comme ça, c'était une bonne combinaison pour avoir un résumé, un aperçu des relations entre l'Allemagne et l'Afrique et entre l'Union européenne et l'Afrique, et y compris aussi la France dont on a parlé hier. Très satisfait de la qualité des interventions. Malheureusement, il y a eu un peu moins de public parce qu'en ce moment, c'est les vacances de Pâques ici, qui se terminent d'ailleurs demain dimanche. Et les gens reviennent de vacances donc demain. Mais il était difficile d'avoir tous les orateurs en même temps, le même jour. Et le jour qui convenait à tout le monde, c'était le vendredi 1er avril. Et ce n'était pas un poisson d'avril. Donc, vous concernant, et concernant d'ailleurs tous les orateurs qui étaient là hier, c'est une première occasion de travailler ensemble. Et ce qu'on espère est que ça dure, que vous reveniez nous voir le plus tôt possible. Bon, cette année, ça sera un peu difficile. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, on a une très grande manifestation au mois d'octobre avec le Parlement qu'on organise depuis 2008 sur les relations aussi entre les pays européens, les politiciens, enfin les hommes et femmes politiques, et aussi les Africains. Alors, c'est une très grande manifestation qui se passe d'ailleurs dans la même salle où des parlementaires de tous bords sont invités. Il faudra sans doute trouver l'occasion de vous inviter à cette occasion-là, parce que ben, ça se passe toute l'année, enfin non, pas toute l'année, mais chaque année, le dernier vendredi du mois d'octobre. Alors donc, on retient octobre 2016, vous recevrez sans doute une invitation de notre part.